La nouvelle Miss Côte d'Ivoire 2020 est maintenant connue. Elle se nomme Mademoiselle Kwadio Marilyn. Âgée de 18 ans, Marilyn Kwadio est étudiante en première année BTS Tourisme. Fille unique de ses parents, son projet est de scolariser les jeunes filles issues de familles démunies. Ce que j'ai appris moi-même, c'est que je ne dois pas être quelqu'un d'autre, que je suis assez bien, et que lorsque je suis fidèle à moi-même, je peux faire des choses extraordinaires. Tu dois permettre que l'impossible devienne possible. Élue Miss Côte d'Ivoire 2020, elle a tenu à remercier toutes les personnes qui l'ont soutenue. Durant un parcours difficile, je n'ai jamais abandonné mes rêves, malgré des mauvaises et bonnes critiques, j'ai su ce que je voulais et je remercie Dieu en premier pour cette joie et cette couronne qu'il me donne comme Miss de la Côte d'Ivoire 2020. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenue de partout, même sur les réseaux sociaux. Je remercie la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Merci aux commissaires et aux différents partenaires et sponsors. Je ne suis en aucun cas embrouillée, moi je sais déjà c'est ma copine et on a enduré des années ensemble dans la joie comme dans l'amertume, alors pour un simple titre elle n'osera jamais m'abandonner parce que c'est l'amour, et l'amour ça se vit, l'amour c'est jusqu'à la gare. Et aussi je profite d'informer mes proches que les photos et les vidéos qui circulent partout sur la toile, Facebook, je ne suis ni auteur ni à la tête de ce chantage. Ça pourrait être le travail des frustrés et des jaloux. Merci. Une fois de plus, félicitations à toi mon bébé, ma raison de vivre Marilyn, que Dieu t'accompagne dans cet honorable et valeureux titre. Le jeune qui se fait appeler le transitaire n'est plus avec ma nièce depuis bien longtemps. Et il n'a jamais accepté la rupture. Ma nièce est depuis bien longtemps séparée et ce, avant même qu'elle pense à concourir à Miss Côte d'Ivoire. Ils se sont séparés parce que la maman de Marilyn n'a jamais apprécié le jeune en question. Elle a donc tout fait pour éloigner sa fille de lui.